Yo yo yo, c'est la Tulo 3. Et aujourd'hui c'est le 5 Shot Challenge. Yo la Astro Family, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, grosse vidéo sur le 5 Shot Challenge. Vous connaissez ce challenge? Il est assez connu maintenant, on en a fait pas mal. Non, c'est pas vrai, je l'ai promis. C'est pas vrai, mesdames et messieurs, le premier épisode. En vérité, c'est une longue histoire. Non, techniquement, il a pas menti. En vérité, on a déjà filmé cette vidéo à deux reprises. Et à deux reprises, on a eu des soucis de son, de vidéo et de MOS. C'est donc la troisième fois qu'on se retrouve pour la première fois pour cet épisode du 5 Shot Challenge. Bien évidemment, mesdames et messieurs, si vous connaissez ce challenge, dites-le nous dès maintenant en commentaire. Et grosse surprise, dès la semaine prochaine, on vous sort l'épisode 2 avec le retour de monsieur Céane Garnier. Ok, les gars, pour voir qui commence comme d'hab. Moss. Non, parce que vous savez un truc, c'est que Moss c'est un gros tricheur sur la Delidelo. Donc je préfère juste le prévenir. À la Delidelo. À la Delidelo. Attention, je vais faire ciseaux. Attention à Pierre qui arrive. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, Jean-Pierre. Je l'avais prévenu, j'ai dit il y a Pierre Carré. Ok, l'ordre de passage est donc simple. On va commencer avec Andreas, puis avec moi. Mais ensuite, on va enchaîner avec Moss. Et aussi, les gars, au cage, le gardien le plus technique du monde. J'ai nommé mon gars JMK. A.K.A. Samuel Umtiti. Samuel. Franchement, je suis fatigué de le faire. J'étais là lors des deux premières fois de la première fois, donc qui est encore là pour la première fois de la troisième fois. Voilà, je suis prêt. Hein. Que maintenant, on a progressé depuis la première et la deuxième fois. Donc pour cette première fois, on est chaud. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, c'est l'heure du règlement de compte. Les gars, est-ce que vous êtes chaud? Moi, je suis chaud. Ils ont pas l'air chaud. Les gars, est-ce que vous êtes chaud? Ouais, là, ils sont chauds, mais je vais les fumer. Let's go. Yo, c'est à moi, les gars. On va donner le meilleur. Donnez toujours le meilleur de vous-même. Oui, Jamy. Oui. J'ai vu trois touches. J'ai vu trois touches. Je demande la VAR. Je demande la VAR, s'il vous plaît. Oui, Jamy. Oui. Ça, c'est que j'ai grossi, en fait. Mon bide, il est trop gros. C'est-à-dire que la balle, elle a touché tout seul. J'ai pas non, fait mais ça, c'est pas notre problème. Putain, elle était belle. Bon bah au moins j'en ai mis une, au moins tu vois. Trafalgar aka Mr. T aka Striker, The Striker. Aka non, tu sais, aka qui? Aka A-Sheet 21. Même si ce n'est pas du football. Trafalgar, 3 frappes, 0 but. Yes. Trafalgar, 4 tirs, 0 but. Il a mis des faits. Il va faire rigoler, oui. Tu vas me faire rigoler, Jimmy. Oh là, il s'est blessé. Premier but, va chercher la balle dans tes cacs. Avec grand plaisir. C'est là, c'est mayonnaise. C'est vrai que... Vive la tête. C'était beau tout. Putain, faut lui mettre la dernière. Franchement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ramener des bons tireurs? Parce que franchement, je viens, je prends deux buts. Wouh! Oh là là, elle était magnifique. Pas mal, pas mal, pas mal.
Ok les gars, donc voilà, Moss il a un point, j'ai un point, on va se départager à un jeu très simple, penalty, parce que là ils sont en train de faire un penalty, ils sont en train de s'amuser, on s'est dit vas-y on va continuer à faire un challenge penalty, regarde. Oh, ok donc voilà, maintenant moi contre Moss au tir au penalty. Franchement les penalty c'est mon fort, donc je pense que je vais en arrêter tout. On va voir qui commence entre moi et Moss. Pierre, feuille, ciseaux. Putain. Dans toutes les vidéos. Toujours frère. Pierre, parce que j'ai confiance en Pierre. Reste concentré. Ça peut être droite, ça peut être Panenka comme dans l'intro de cette vidéo. Il met la pression, il m'a dit qu'il savait où j'allais tirer. Je sais pas du tout moi où je vais tirer. Je vais tirer où? Ouais, la technique, tu regardes là, tu vois, là, les gens, là, tu vois, là, je rentre dans ta tête. Ah, là, tu sais plus où tu as tiré. Là, tu hésites. Là, tu as tiré au milieu, là. Parce que t'as peur. Tu sais pas tirer sur un côté. Tu sais pas où tu. Droite ou gauche? Droite ou gauche? Ah, putain! Depuis tout à l'heure on fait descendre des tirs au but, avant la vidéo j'ai tout arrêté. Quoi? Ah, donc là ils font les malins, on les par contre dans la vidéo en fait on voit la panenka. Oui en fait. Mais c'était un plan, on m'a dit de les rester. Allez Andreas, c'est sur le même côté parce que c'est que là t'es en confiance sur le même côté. Là t'es en confiance sur le même côté. J'avoue, mais est-ce que tu vas changer pour montrer à tes fans que tu sais tirer des deux côtés? Là t'hésites. Là je t'ai mis le doute là. Là c'est mis le doute. Est-ce que tu vas montrer aux internautes que tu peux tirer à droite? Allez montre-leur. Allez Andreas, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Je sais. Il est chaud. J'ai dit, moi on me met pas de panenka. On me met pas de panenka. Personnellement t'en as pris une juste avant. Oui c'était un plan. Là Moss il va vouloir mettre une panenka. Parce que j'ai envie de dire, personne met de panenka. Là il va vouloir prouver que Moss, monsieur Moss, il peut mettre une panenka. En plus il a pris beaucoup d'élan là. Putain l'arrêt. Hey, mais quel arrêt du gardien. Vraiment JMK c'est le meilleur. Et le pire c'est que je voulais mettre une panenka. T'as tiré à gauche, t'as marqué. Ouais. T'as fait une panenka au milieu. Ouais. T'as pas marqué. C'est-à-dire ouais. Là tu vas vouloir tirer à droite. Parce que là en fait tu as prouvé que tu peux marquer à gauche. Essayer de tirer au milieu et tirer à droite dans toutes les surfaces. Je le sens. Mais qui dit tirer, j'ai rien à prouver moi. Hein? T'as rien à prouver. Mais c'est pas compliqué, il me dit je vais tirer là. J'ai rien. Je te laisse choisir maintenant. Attends choisir, je pars plus. Ah si, attends, je parle un peu. À gauche. À gauche, droite, au milieu, gauche, droite. J'en laisse un peu quand même, c'est pas ma chaîne YouTube donc il faut que j'en laisse un peu marquer quand même. Là je sais que t'as envie de la mettre à faire une capuchon de ma bouche hein. Je sais que t'as envie de la mettre. Arrête de regarder là-bas quand tu t'es concentré. Je sais que t'as envie de la mettre. Et moi c'est concentré. Oh, on rentre dans sa tête. Mais moi vous voyez pas sa tête au départ, mais il est concentré, un truc de ouf. On rentre dans sa tête. Alors moi. Tu vas pas arrêter. Tu t'es battu, elle était au-dessus de toi, tu étais là. Je suis parti du bon côté, déjà, ouais, déjà de une. Ouais, mais et de deux, le but c'est pas que je pars du bon côté, faut que tu marques, non? Ouais, mais elle était au-dessus de toi. Mais qui a gagné là? Là c'est toi. Et tu peux répéter s'il te plaît? Mais c'est pas fini. Tu peux répéter s'il te plaît? C'est toi qui gagne sur ce point là. Ok, merci. C'est pas fini. Mais pourquoi c'est pas fini? Bah parce qu'il reste encore des tirs à faire. Ah, encore? C'est combien? Bah c'est 5. 5? Ah, mais t'en as marqué combien? J'en ai marqué un. Sur combien? Sur 3? Ouh là là, quel ratio! Ouh là là, il t'en reste 2. Mais attention, quel ratio! Attention! Yeah! Du coup les gars, je place mon ballon, vous pouvez voir qu'il y a marqué S3 Andreas. C'est pour ça que je marque pas. Voilà, c'est peut-être pour ça. T'as laissé un espace là, je sais que... Tu sais, tu vois ton espace... Ah le mec là, il rate de marquer. Il est conséquent là, donc tu veux que je tire par là. Il a vu. Mais donc du coup maintenant que je te l'ai dit, je sais que je vais tirer par là. Ok. Donc c'est comment? Parce que là... Ah le gamin. Le gamin, putain, non. En fait, ils connaissent pas la technique, faut parler, faut même pas s'arrêter, faut même pas laisser un espace de blanc. Faut toujours parler comme ça, tu rentres dans la tête. Il m'a laissé trop de blanc et je savais que je suis rentré dans sa tête sans parler. Voilà, c'est ça. La GM, la but. Je sais parce que toi tu es au milieu. La but. Parce que tu sais, je vais plonger. Moi je te dis juste la but. Ok, y'a pas de soucis. Moi je te dis juste, je vais pas plonger. Oh là là là, c'est chaud. C'est chaud. Là tu le fais toi au début pour changer, mais je sais que t'allais tirer là, c'était sûr. Mais elle était pas trop belle en plus. Ouais, elle était en lulu parce que j'ai même pas couru, j'étais comme ça, j'ai sauté carrément. Bon, prochain.
Ça m'a pas beaucoup aidé de rester concentré sur cette séance de pénalty, étant donné que j'ai mis qu'un seul but. Jimmy, tu m'entends assez bien? Oui. Ok, du coup, Andreas a une chance de mettre fin à cette séance de pénalty, mais j'ai confiance en JM, même si je ne l'apprécie pas énormément, qui nous montre qu'il est un vrai gardien, parce que sinon, autant mettre un plot au cage. Pour l'instant, il a fait plus d'arrêts que nous de but. Je dis ça, je dis rien. Là, il va vouloir finir en beauté. Ce qui va tenter quelque chose. Il va vouloir finir en beauté. Voilà, je savais, là, il a raté. Hey, quand il a pris cet élan, je vous jure, je savais, la balle allait aller passer. Non mais en fait le truc c'est que voilà, il fallait garder le suspense, tu vois, moi je suis un mec du suspense. Maintenant il a une chance de rattraper, voilà hein. J'attends le moment où t'as tiré au milieu, je sais pas c'est quand. Ça c'est être là. Oh là 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 là. Quel arrêt de JMK et victoire de moi-même. Bah du coup dans toute cette vidéo j'aurais mis 2 buts. Yo, c'était la Tumeuse 3. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé bof hein, parce que y a un type il a arrêté trop de balles, c'est bon, ça m'a saoulé. Je sais pas pourquoi on l'invite, en plus c'est pas mon pote. Je sais pas toi JM ce que t'en penses. À part la panenka que tu prends, je vois pas ce qu'il y a. Panenka. Bah. Ah tu veux la revoir? Bah attends, on la remet. Oh, oh là là. Oh là là. Ah oui. Quel jeu d'acteur. Voilà en tout cas. C'était marrant. Rendez-vous la semaine prochaine pour le même challenge, mais une version un peu différente avec un petit spécial guest. Tout ça fera plaisir. En attendant, la recette n'a pas changé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout abonnez-vous.